Bienvenue dans Guess the Rank. Le défi d'aujourd'hui, c'est de deviner le rang des joueurs en fonction des jeux. Les gars, ça va pas être facile. On a un gameplay unique à deviner. On est parti sur League of Legends, les gars. Et on est avec 7 ici. Ça va vite. Je sais pas pourquoi on a mis en x2, donc 7 qui tape un peu tout le monde. Il y a rien de spécial. Ah, ok, bon. Ok. Alors là, je vais vous le dire d'avance. Le mec qui a posté ce clip, il se croit très chaud alors que mécaniquement, il y a rien. Il a pas mal joué pour autant, mais il y a rien d'insane. Moi, je vais vous le dire, ça, c'est du bronze, silver, max. C'est vrai qu'il y a des nouveaux rangs, donc je sais pas, mais regardez, en gros, on va regarder ça au ralenti. Regardons ça au ralenti, vous voyez là, il tape. Bon, déjà la qualité est horrible, mais il tape. En fait, il se met juste devant. Il a tout ce qu'il faut. Il sait pas spécialement bien joué, tu vois. Il sait pas non plus, mais il a pas non plus mal joué, mais il a pas spécialement bien joué. Il y a aucune mécanique complexe, il y a rien de complexe. Donc là, il fait ça. Et là, il va se dire, oh les dégâts que je vais mettre, ils vont être légendaires. Ce qui est vrai, il a fait très mal, mesdames et messieurs, ouais, d'accord. Il a très bien joué là-dessus. Maintenant, il y a rien d'insane. Je vous dis, il y a rien d'insane. Donc moi, j'irai gold ou silver maximum. Maximum. Mais c'est possible qu'on ait... Qu'on ait autre chose. Pff, allez, vas-y, on va jouer gold parce qu'on est vraiment généreux. Bronze. Vous voyez, j'ai été généreux. J'aurais pas dû être généreux, je serais pas généreux dans le prochain clip. On est parti. Donc là, on a Jace qu'on analyse. Donc là ça reste tranquillement, ça met pression, donc déjà c'est pas du bronze. Je pense pas. En fait vous voyez, ça essaye de gérer sa lane, peut-être pas. Ok. Non, ok, donc c'est pas du haut niveau, j'expliquais pourquoi c'est pas du haut niveau tout de suite. Donc là ça joue son bon pro, oh, quoique ça va, mécaniquement c'est ok. Mais moi je pense gold. Ouais c'est gold, 100%. Ok, je vais vous expliquer pourquoi c'est du gold. Vous allez voir, j'ai raison, 100%. Ça peut pas être au-dessus de gold, c'est impossible. C'est pourquoi je dis gold. Ouais, c'est du gold. Ok, pourquoi c'est du gold? En gros, la gestion de wave, donc le wave management, est hyper important dans tout le jeu en général. Et là, vous voyez qu'on pourrait se dire qu'il gère bien, sauf que non, s'il avait bien géré. Vous voyez que là il est en train de perdre ses sbires, entre guillemets. Enfin, là, il est en train d'être perdu. C'est-à-dire que les sbires vont aller se cracher sous la tour, ce qui fait que Yasuo, il va devoir soit jouer très en arrière, soit au niveau de la tour. Donc ce qui a un avantage pour Jace qui, vous allez voir après, va vouloir engage. Parce qu'il se dit, bah en fait c'est moi qui ai l'avantage. Donc là au début il joue bien, vous voyez, il a ce hit. Il évite que trop de sbires aillent sous la tour pour éviter de perdre potentiellement trop de sbires. Donc c'est un bon move selon moi. Donc light lean, très bien. Et là en fait il a juste à reculer, à attendre que Yasuo s'avance à nouveau, mais il le fait pas. Il met une pression directe, et c'est bien, c'est pas mauvais pour autant. Et là il go in, alors que là il devrait pas go in, il devrait attendre que le Yasuo soit plus près de la tour, parce que là à tout moment le Yasuo peut se barrer. Bon bref, regardez, gold, j'ai raison. C'était du platine. Pas loin, c'est une semi-victoire. Yes. Dernier clip. Oh, oui. Donc là c'est un Velko, oh. C'est un Victor, pardon. Oh non, oh non. Many shields, many shields. On va y en voir un peu. All the happy feats. C'est mal le Victor en vrai. Damn, Tim is tanky. Non, y'a rien à croire. He doesn't have collector yet. Punt à kill, ok. Alors selon moi, pourquoi c'est pas un gros clip? Déjà, regardez. Donc là, le rayon est bien, il fait un kill, y'a pas de problème. Et là, regardez, là, il va cage 3, enfin, il va stun 3 mecs, mais c'est... En fait, la réalité, c'est que c'est Thresh qui va stunner 3 mecs, regardez. Vous voyez, là, il a mis la zone ici pour stun les mecs, juste avant. Mais en fait, c'est Thresh qui les ramène dedans. Vous voyez? Thresh les ramène dedans, donc c'est Thresh qui a bien joué, donc platine. Passons maintenant à un jeu que je maîtrise, les gars, Apex Legends. J'ai beaucoup joué au jeu, les gars. On est parti, premier clip, donc Laurent est caché en haut, très bien, ça joue Loba. Qu'est-ce que ça va faire? Loba, il n'y a pas trop de mécanique avancée là-dessus. R301, R99, c'est un classico classique, ça, il n'y a rien de spécial. Il est manette. Ouais, non, ok. Je vous le dis, c'est pas du haut hello. Vous verrez pourquoi, je vous expliquerai pourquoi. Ouais, pour l'instant, rien d'incroyable, encore une fois, c'est de la manette, les gars. C'est de la manette 100%. Il y a pas mal de jeu pour autant. En vrai, ça peut pas être du... Déjà, bon, première chose, Apex a niqué les rangs. C'est-à-dire qu'ils ont donné le master la saison dernière à tout le monde. Tout le monde avait le master. Vraiment tout le monde, comprenez-le. Ensuite, le premier truc qui me fait dire que c'est pas spécialement un professionnel, mais non plus pas un mauvais joueur. Là, donc là, vous voyez, il attend de voir s'il y a un autre mec derrière, mais bon. C'est pas Valorant, en fait. Donc tu peux largement one burst le mec ici, et c'est plus intéressant de le faire, comme ça vous êtes potentiellement en 2v1. Oui, mais il se fait repérer. Oui, mais d'accord, mais en fait les deux mecs ils terminent la vraie très rapidement, et ils peuvent retourner sur un autre mec s'il y en a un potentiellement ici. Bref,
Non, c'est pas un spécial. On pourrait dire oui, mais il a une aim de fou. Close range, M assist. Fini. Y a pas d'aim. Y a pas d'aim. Là, je vous dis, y a pas d'aim du tout. Là où il joue plutôt bien, c'est qu'il garde la hauteur. C'est pas non plus un insane, mais il le fait. Il le fait. C'est pas insane, mais il le fait. Donc, encore une fois, c'est ce que je dis. Le plus important, c'est d'avoir les bases. Donc là, rien d'insane. Moi, je dis. Pour moi, c'est platine. C'était diamant, et encore une fois, le diamant est trop donné. Mais platine pour moi. On est qu'à Pathfinder, les gars, donc voilà, bon. Mais c'est un clavier souris déjà, ok. Bon, ouais, d'accord, il me ralentit pour qu'on voit bien le move ou. Enfin, déjà, il me fait vomir, mais. Ah ouais, mais le truc, c'est que. Ça va, il s'est joué, tu vois. Bon, il est même pas trop mauvais. En vrai, il est pas mauvais. Non, en vrai, il est pas mauvais. Il a été quand même relativement clean sur tout ce qu'il a fait. Regardez. Donc là, il est clean. Là, il se cache derrière le mur. Non, non, il a un bon positionnement. Là, il voit que l'autre, il veut s'enfuir. Il grappin. Il est propre, le grappin. Il est giga propre. Non, allez, vas-y. Moi, je dis. En fait, j'ai envie de dire master. Problème, c'est que. Bon, après, c'est une correcte donnée. Impossible qu'il soit bronze. Je vous le dis d'avance, c'est malhonnête de leur part. C'est très malhonnête, c'est impossible que ce joueur soit bronze, croyez-moi. Bronze, pour moi, c'est équivalent à peu près à bot. Ou alors, il était peut-être bronze au moment où il l'a fait, c'est possible. Mais il était pas bronze, il a pas le niveau bronze, c'est impossible. Donc, encore une fois, c'est très malhonnête. Donc là, 1v1, ça signifie rien du tout, je vous le dis. Donc pour moi, c'est pas master, c'est pas predator, c'est pas diamant. Donc c'est plat max. En gros, les mecs, ils pensent dans le jeu que le 1v1, c'est hyper primordial. Et ça l'est, en Battle Royale, mais ici, ça a rien de s'entraîner là-dessus, en fait. C'est pas fou du tout de s'entraîner en 1v1. C'est marrant, hein, je dis pas, hein. C'est bon. Si vous voulez prendre des duels, faites des duels dans le jeu. Ouais, non, il sait pas jouer. Ok. Ok. Platine. Platine encore, moi j'aurais dit gold. Vas-y, je dis gold. C'est quoi, j'ai même pas. Oh, bon, non. Voilà, c'est le problème. C'est pour ça que je voulais pas faire de. C'est pour ça que je voulais pas faire de Guess My Rank sur Apex. Parce qu'ils ont donné le master à absolument tout le monde la saison dernière. Vraiment, je crois qu'il y avait 30% de master, un truc dans le jeu, ou 20%.